Les meilleurs élèves, enseignants et établissements scolaires du Gontougo primés à cette première édition de la journée de l'excellence et du mérite. Cette cérémonie vise à créer une saine émulation dans les écoles afin de stimuler chez les élèves le goût du travail bien fait. Les lauréats de ce jour constituent pour nous des phares, des modèles à imiter pour que l'écho de leur travail acharné puisse inspirer les générations présentes et à venir. Dans la catégorie des meilleurs élèves du primaire, Signo Kwaku Onésine Jaurès de l'école primaire catholique Notre-Dame 1 a été désigné meilleur élève à l'examen du CEPE de la région du Gontougo avec un total de 163,64 points sur 170. Au niveau des collèges, Siloué Mariamo du collège privé d'Etanda, avec une moyenne annuelle de 18,74 sur 20, devient la meilleure élève fille du premier cycle. Au niveau du second cycle, Koulibaly Awasuema du lycée moderne 2 de Bondoukou, qui a enregistré une moyenne annuelle de 17,72 sur 20, a occupé la première place quand le meilleur éducateur est Belém Salifou du lycée moderne 1 de Bondoukou. Au cours de cette cérémonie, l'IEPE Kounfao s'est vu attribuer le prix de la meilleure circonscription pédagogique. Le lycée moderne Pinda Boroko a été désigné meilleur établissement secondaire public et le collège catholique Sacré-Cœur de Jésus de Bondoukou, meilleur établissement secondaire. En dehors des heures de cours, j'ai un emploi du temps fixe à la maison que je respecte. Donc j'exhorte mes amis à faire de même. Cette première édition de la journée de l'excellence et du mérite s'inscrit dans la valorisation des talents de la région 33 ans après la création de cette direction régionale, a indiqué le sénateur Ignace Kwasi Kosonou, représentant le ministre d'État Koubina Kwasi Agumani, parrain de la cérémonie. Quand nous voyons des jeunes gens comme celui que je tiens, qui est à côté de moi, être les lauréats de cette cérémonie, ça présage d'un avenir, d'un lendemain meilleur, d'un avenir radieux pour notre région et pour le pays. Ce sont au total 70 prix qui ont été décernés aux meilleurs élèves du primaire et du secondaire, aux meilleurs encadreurs, éducateurs et enseignants, ainsi qu'aux chefs d'établissement scolaire, aux responsables des cantines et aux gestionnaires des comités de gestion des établissements scolaires, COGES.